Bonjour, j'ai une superbe collection à vous présenter aujourd'hui. C'est une petite trouvaille, donc une nouveauté de chez Crafter Compagnon qui est sur le thème des paons. Donc on a un bloc en 30-30 qui contient 48 pièces. Le papier fait 180 grammes, donc il y a 36 feuilles plus 12 feuilles de vélin, soit du calque. Teinté. Donc je vais vous montrer en détail ce bloc. Alors, donc on a une première page avec un paon, une cage. Alors là, on a 1, 2, 3. Voilà, il y a trois fois les mêmes pages. À l'arrière, à chaque fois, vous avez un fond uni, un faux uni. Donc ça, c'est pratique. Alors celle-ci par exemple, c'est un texte avec du foil. En fait, c'est une feuille, une pellicule d'or, mais couleur violette. Donc à l'arrière, on a un mauve. Ensuite, on a des pans, du bleu un peu turquoise à l'arrière. Ici, on a les plumes de paon avec la feuille d'or ici. Donc c'est vraiment super super joli, j'adore, j'adore, j'adore. Si vous avez aimé les couleurs du bloc Indiana qu'on a fait en tuto en live, que vous retrouvez aussi gratuitement sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux, on est dans les mêmes teintes en fait. Donc là on a des plumes de paon, un bleu plus clair. Ensuite sur ces plumes, il y a les plumes violettes qui sont en foil métallique. À l'arrière, un bleu plus foncé. Ici, on a des paons sur des branches de. Alors, je ne sais pas si c'est des fleurs de cerisier. En tout cas, c'est super, super joli. À l'arrière, un turquoise. Ici, oh là là, ça c'est beau. Regardez l'effet métallisé. Le cœur des plumes, là, c'est super joli. Ensuite, on a encore le paon en entier repris avec la cage, mais dans une teinte un peu plus, pas fuchsia, mais rose foncé. Du mauve à l'arrière. Ici, on a le texte en turquoise, avec pareil, la feuille d'or turquoise. Ici, on a les paons, dans des tons plus foncés. Des plumes avec un cœur or. Et là, on a la cerise sur le gâteau, les pages de vellum, les calques en couleur. Donc, on a du vert, un vert vert bouteille. On a un vert clair. Alors là, avec ça, vous pouvez faire des pochettes, des enveloppes, des intercalaires. Donc, il y a trois couleurs de chaque. Donc, pareil dans les prunes. Donc c'est assez épais, hein, donc ça se plie bien. Faire attention avec le plioir, bien sûr, de ne pas trop appuyer, de ne pas déchirer le calque. Mais ça se travaille très bien. Vous pouvez aussi découper des fleurs, des feuilles. Donc voilà pour ce magnifique bloc. Ça, c'est du lourd, hein. Donc j'en ai pas beaucoup dans la boutique, mais ça va revenir. Je voulais vraiment voir de moi-même ce produit avant d'en commander en plus grande quantité. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas. Quand ces blocs-là seront épuisés, ils seront en précommande, vous les aurez dans une semaine. Alors, dans la même marque assortie, je vous ai présenté la semaine dernière ces feuilles de cardstock, c'est 24 pages, donc c'est assorti aussi. Vous pouvez les utiliser avec. Donc ça, on va l'utiliser dans notre album, le prochain qu'on fait en live, la Frosty, donc qui est dans les tons bleus, plutôt ces teintes-là. Alors, comment c'est présenté ça? En fait, vous avez 24 pages de cardstock. Donc, tous leurs paquets comme ça, de différents modèles que j'ai dans la boutique, sont présentés de la même façon. Donc là, vous avez 24 pièces. Et dessus, tous ces morceaux-là, en fait, ce sont des échantillons qui sont en plus dans le paquet. Voilà. Ils ne sont pas forcément en entier. Donc, j'ai tout recompté. Vous avez bien vos 24 pages entières, plus les morceaux. Alors, moi j'ai entamé mon bloc déjà, donc je peux vous montrer ce que ça donne. Vous avez donc toutes les feuilles qui sont en deux exemplaires couleur, enfin, miroir,
et après vous avez celles qui sont assorties nacrées. Donc elles vont évidemment, bien sûr, absolument bien avec le bloc de papier ici. Alors là, entre les calques et les nacrés et les papiers miroirs, là, ce jeu de papier, regardez-moi ça, si c'est magnifique. Là, il y a de quoi faire un trésor, les filles. Mais vraiment un trésor. Hein. Ça, j'adore. Donc avec, dans la même marque, il y a les dies de plumes de pan, évidemment. Donc il y a quatre formes différentes, elles font à peu près 7 cm de haut. Faut regarder dans le descriptif de l'article. J'ai sélectionné avec vous toujours mes petites encres chouchou à la craie des Versa Magiques. Donc les quatre couleurs qui vont avec, vous avez peut-être déjà. Donc j'ai sélectionné pour aller avec cette collection Aquasplatch. Le Spring Pansy, le Pretty Petunia et le Sea Breeze. Voilà, je vous les remontre. On les utilise aussi pour l'album qu'on est en train de faire, Frosty. Voilà, pour le prochain tuto. J'ai reçu pour vous avec des rubans, donc en satin. Donc là, je vous propose le vert d'eau et le mauve qui vont avec. Vous avez des nappes en dentelle, pareil, trois teintes qui vont super bien avec. Voilà, c'est vraiment assorti. Au niveau des fleurs, je vous propose les bleus de chez Graphique 45, que vous pouvez coordonner, ainsi que ce set de fleurs de chez Prima, où vous avez des violets, du feuillage. Donc ça, c'est la référence 636-500. Ces jolies fleurs. Des dots qui viennent de rentrer, donc vous pouvez utiliser les dorés par exemple pour l'album de Noël, et les bleus et les un petit peu rose saumonné pour autre chose. Les bleus, vous pouvez les utiliser pour ce bloc là. Alors ça, la référence, c'est 995-195. Voilà pour ça. Et vous avez aussi les plumes naturelles si vraiment vous voulez faire une petite déco un peu plus fournie. Donc voilà pour cette petite découverte de ce matin. Eh bien voilà, je vous laisse avec cette petite vision de bonheur et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt !